بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سنرى أهم 7 أخطاء يقع فيها معظم الناس خلال تركيب ألواح الطاقة الشمسية. Dans cette leçon, on va voir les 7 erreurs à éviter quand on installe des panneaux photovoltaïques. Première erreur est la mauvaise orientation des panneaux solaires pour les différentes installations. L'orientation est un paramètre très important pour avoir le rendement maximal et éviter les pertes de production. Elle fait référence au point de cardinal qui se trouve face au panneau nord, sud, est, etc. Donc, pour capter un maximum de rayons solaires durant toute la journée, c'est donc vers le sud qu'il faut incliner vos panneaux. Si vous habitez dans l'hémisphère nord, il s'agit vraiment de l'orientation optimale pour vos panneaux solaires. Dans l'hémisphère sud, la situation est inversée. L'orientation parfaite est plein nord. En effet, depuis l'hémisphère sud, la course du soleil va de l'est à l'ouest. Deuxième erreur est la mauvaise inclinaison des panneaux solaires, d'où plusieurs installations photovoltaïques ne respectent pas cet aspect, qui réduit le rendement du système, car la production des panneaux solaires est maximale lorsque les rayons du soleil arrivent perpendiculairement sur les cellules photovoltaïques. L'inclinaison est l'angle que forment le panneau solaire et le sol. Un panneau incliné à 0 degré est donc à plat contre le sol, ou horizontal. Un panneau à 90 degrés est à la verticale, par exemple fixé en façade d'un bâtiment. La course du soleil varie beaucoup d'une zone géographique à une autre et au cours de l'année. Pour avoir une inclinaison idéale, il est recommandé de choisir la valeur de latitude du site géographique comme valeur d'angle d'inclinaison. En été, le soleil est haut par rapport à l'horizon. À ce moment-là, pour obtenir le meilleur rendement, il faudra privilégier un grand angle. On doit ajouter 10 degrés à la valeur de latitude et l'inverse dans le cas en hiver. Troisième erreur est l'ombrage. De l'ombre sur les capteurs photovoltaïques entraîne une perte de production. Cette perte de production varie en fonction de la taille et de la densité de l'obstacle. On peut distinguer 2 types d'ombrage. L'ombrage partiel, c'est un ombrage qui laisse passer en partie les rayons du soleil et l'empêche seulement le rayonnement direct d'atteindre une partie de la cellule photovoltaïque. Par exemple, une cheminée, un arbre ou un nuage. Remarque, ce type d'ombrage entraîne une baisse de courant, ce qui influe négativement sur la puissance du module photovoltaïque. Deuxième type est l'ombrage complet, qui est considéré plus dur que le premier type, car il empêche tout rayonnement, direct ou indirect, d'atteindre une partie de la cellule photovoltaïque. Par exemple, une déjection d'oiseau ou une poussière dure qui provoque un ombrage total. Donc, il faut nettoyer les modules photovoltaïques pour éviter ce défaut et éviter d'avoir des problèmes de production. Ce type d'ombrage entraîne une baisse de tension par le phénomène appelé hotspot. Quatrième erreur est l'installation des panneaux directement sur le sol, ce qui provoque une température élevée des panneaux due au contact direct avec la surface du sol, en empêchant le passage du courant d'air. Pour éviter ce phénomène, les panneaux doivent être surélevés de la surface du sol. Cinquième erreur est la connexion de différents types de panneaux solaires, par exemple le monocristallin avec le polycristallin. Un panneau de 100 watts avec un autre de 200 watts, qui va forcer le système complet à suivre la puissance du panneau le plus faible. Donc, pour éviter ce problème, il faut que tous les panneaux connectés ont la même puissance, la même technologie et le même fabricant.
Sixième défaut est l'utilisation de mauvaises structures métalliques, un problème qu'on voit beaucoup en raison de l'utilisation de composants de mauvaise qualité, par exemple l'utilisation de supports de panneaux non conformes aux normes de conception, en termes de charge, de vitesse du vent et de facteurs météorologiques, ce qui rend la centrale solaire toujours face au danger et menace son existence, donc la perte de sa production. La septième erreur est l'installation des panneaux photovoltaïques sur une surface de pose en couleur noire, qui va augmenter la température du panneau photovoltaïque, car la couleur d'une surface dépend de la quantité de lumière que celle-ci nous renvoie, et, par complémentarité, la quantité de la lumière qu'elle absorbe. Plus elle est sombre, plus elle absorbe de la lumière, et par là, l'énergie lumineuse, qui se transforme en chaleur. Donc, une surface de couleur noire absorbera jusqu'à 90% de cette énergie. Si on souhaite réduire l'échauffement solaire, on utilise la couleur blanche, ou moins sombre. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la prochaine leçon. شكراً على المتابعة. إذا استفدتم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكراً. إلى الدرس القادم إن شاء الله.